Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube assez spéciale parce qu'aujourd'hui je vais déballer une chaise gaming. Ça fait longtemps que j'en voulais une, surtout pour pouvoir par exemple tourner des vidéos assis bien avec une belle chaise gaming, tu vois. Et bien sûr, si je voulais aussi cette chaise gaming, c'est pour être plus fort sur les jeux, parce que vous le savez très bien, si vous êtes nul à un jeu par exemple FIFA, si vous avez une bonne chaise gaming, d'un coup vous venez archi fort. Donc on va faire le déballage ensemble. C'est une chaise qui vient d'IKEA, mais je vous mens pas, je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Ça doit ressembler à ça. Et les noms des trucs IKEA, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes ou pas? L'art, mais c'est quoi ces noms random là? En tout cas, j'ai hâte de déballer ça, les refs. Vous avez vu comment je suis investi sur ma chaîne ou pas? Il y a 2 caméras, il y a là et il y a là. Mais c'est lourd, hein! Il y a clairement écrit sur le carton de pas ouvrir avec un couteau ou pas ouvrir par ici, mais ça y est. Pour l'instant, ça ressemble à ça, vu que l'extérieur, donc là, on dirait plus un tapis qu'une chaise gaming. Elle a l'air douce. Oh la matière. Donc là, il y a des instructions. Oh non, j'espère que c'est pas galère. C'est IKEA, normalement, c'est simple. Mais à tout moment, ça va me prendre 3 heures. Alors, comment ça se passe? Mais plie-toi, toi. Alors, donc ça s'appelle Uvudspela. C'est une chaise gaming IKEA, donc ouais. Elle a l'air stylée, hein. Oh là. C'est quoi ça? Wesh, il y a une tonne de trucs, il n'y a pas qu'une chaise là. Oh, elle est belle. Regardez-moi ça. Donc le dossier, il est grand. Bah après, tu me diras, c'est une chaise gaming, c'est normal. Donc on va mettre ça de côté. En fait, ouais, ça va, ça a l'air simple. C'est plein de petits morceaux à assembler. Il n'y a rien de compliqué, normalement. Ça, c'est quoi ça? Faut se le mettre dans le... Ok, on va tout sortir. On va faire les choses bien, on va tout sortir. Et ensuite, on va regarder comment ça se monte. Mais ça n'a pas l'air compliqué, sauf si... Oh non. S'il y a une vis, c'est mort. Je ne saurais pas faire. Wesh. Ah ouais, c'est les roulettes. Regardez-moi ça, là. Il y a trop de carton. Et on a, du coup, le truc où je vais pouvoir poser mon gros... Attends, je vais le sortir pour vous montrer. Je vais la sortir. Bon, pour l'instant, on dirait plus une chaise de bureau, mais attendez. Ah d'accord, je peux gérer. Ok, j'ai capté. Ça, c'est pour allonger plus ton siège ou moins l'allonger. Je sais pas, on verra. Mais il y a une tonne de trucs. C'est un pack opening ou quoi, les gars? Donc, on a tout ça. Je ne sais même pas encore c'est quoi, mais on sort. Et le truc pour mettre les roues. Et là, on a plein de vis. Regardez toutes ces vis. Moi, je sais pas faire. J'ai jamais fait ça de ma vie, là. Et on a... Le truc pour poser nos coudes, j'imagine. Mais c'est lourd, ça, c'est quoi, attends. Maintenant qu'on a tout sorti du carton, on va pouvoir le respecter et le reposer délicatement juste à côté. Ah. Donc, la notice, elle est où? Parce que là, ça s'annonce compliqué, tout ça. Alors, il y a combien d'étapes? C'est ça que je vois. 18 étapes. Ça va être plus dur que le bac, hein, je le sens. Étape 1, on prend déjà rien. Et c'est le moment où je galère un peu trop, du coup, je vais attendre ma mère. Il n'y a rien de compliqué, normalement. Hein. Après une bonne 30aine de minutes pour monter cette chaise qui est trop bien, c'est ma mère, elle a tout fait parce que j'ai essayé, j'ai commencé, je savais même pas différencier les vis. Bref, les gars, vous en pensez quoi? Merci, maman. Moi, je la trouve trop bien. Elle est... En fait, t'es à l'aise dessus. Tu vois, là, ça m'inspire trop. J'ai envie de faire des vidéos à fond et j'ai envie d'arriver comme ça à chaque vidéo. Et laissez-moi vous dire qu'en plus de tout ça... Les gars, la chaise gaming, elle est validée, elle est trop bien, elle est confortable, que ce soit pour travailler ou pour faire des vidéos gaming ou pour faire des TikTok ou n'importe quoi. Non, sérieusement, les gars, moi, je kiffe cette chaise. IKEA, c'est une masterclass. Donc, si vous hésitez encore à acheter une chaise IKEA parce que, voilà, c'est IKEA, on sait jamais, ça peut être bizarre et tout. Les refs, faites-moi confiance, elle est trop bien, elle est propre, elle est chic. Je vais pouvoir faire des plans de zinzin avec cette chaise. C'est bizarre, mais elle m'inspire trop. Mais il y a un dernier truc que j'ai envie de voir. Est-ce que cette chaise me rend plus fort aux jeux vidéo? Parce que vous le savez que les gens qui ont une bonne chaise gaming, ils ont un niveau de fou. C'est pas une légende. Enfin, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Si je gagne ma prochaine partie Brawl Stars, cette chaise est décidément confirmée. On veut un petit top 1. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on va jouer... C'est parti. Et j'aurai pas de seconde chance. Si vraiment cette chaise elle marche, tout de suite, je vais faire un top 1. De la quoi, mon brawler? Oh, ça va prendre toutes les caisses là, ça va se planquer dans un bœuf. Aïe, non. Oh, y'a deux traits de gaffe, y'a pas que moi. Tiens. Enfin, du bâtard. Pour l'instant, la chaise elle marche. Je sais qu'il y a un mec là-bas là.
juste ici, dans les buissons là-bas. Sors de là, gros. Oh là, oh là. Ils m'ont fendé. Wesh, lâchez-moi. Aucune chance. Alors là, mon gars. La chaise marche. Regardez-moi ça, les gars. Top 1. Première partie. Tout ça pour dire que cette chaise fonctionne, les gars. Donc, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Si vous voulez acheter une chaise roulante qui serve à la fois pour travailler, pour jouer à la play ou pour n'importe quoi, pour gagner sur Brawl Stars avec Edgar, achetez celle d'IKEA. En plus, je crois qu'elle est pas chère. On se retrouve pour la prochaine vidéo tous les 18h à vendredi. C'était Zaytan. Ciao.